I didn't see that coming. Who was she? Août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl est l'un d'entre eux. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Miel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait.
Ma chère Marie, nous voici en route vers la capitale. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. En cherchant à rejoindre son régiment sur le quai 21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Dis-moi, elle n'est pas baptisée. Ah, je vois que j'arrive. Le régiment d'Émile fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Van Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda à l'anxiété des premiers combats. Bataillon, en avant, au pas. Oh!
Mademoiselle Marie Chaillon, le soldat Émile Chaillon du 150e régiment d'infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ces nouvelles.